Bonjour et bienvenue à la maison d'arrêt de Grenoble-Barre. Pour obtenir le service social, composez le 1 sur votre clavier téléphonique. Pour obtenir le service des parloirs, composez le 2. Pour obtenir le service du greffe, composez le 3. Pour obtenir les services administratifs, composez le 4. Pour obtenir les services techniques, composez le 5. Pour obtenir le service administratif, pour obtenir le secrétariat de direction, composez le 1 sur votre clavier téléphonique. C'est ça. Pour obtenir, je transfère votre appel. Maison d'arrêt Grenoble, bonjour. Oui, bonjour madame. J'aimerais parler à la directrice de la prison, s'il vous plaît. Oh oui, vous êtes qui, monsieur? Je suis un citoyen révolté par ce qui se passe dans votre prison concernant monsieur René Fornet. Oui, j'aurais besoin de votre nom, monsieur, s'il vous plaît. Mon nom est Frédéric Pigne, P-I-G-N-E-T. P-I-G-N-E-T. Oui. Ok, mais je vais voir s'il est disponible, hein, monsieur. J'espère. Allô? Oui. Oui, excusez-moi monsieur, on est un peu occupé en ce moment, je peux pas vous la passer, je suis désolée. Oui, bien sûr. Le cadre... Alors attendez, vous pouvez transmettre un message? Oui monsieur, il n'y a pas de souci. Bon, alors nous sommes donc un comité de soutien à ce monsieur René Fournet. Oui. Que vous êtes en train de massacrer. D'assassiner. D'assassiner même, puisque ce monsieur est entre la vie et la mort. Donc, oui. vous pouvez ne pas répondre, hein, comme vous êtes en train de le faire. Mais nous, on prend acte de ce que vous faites, et croyez-moi, on n'en restera pas là. D'accord? D'accord, il n'y a pas de souci, monsieur. Ouais. Alors, à l'occasion, quand même, vous pouvez prendre mon numéro de téléphone. Si cette directrice a le courage de me téléphoner, ce serait bien, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci, monsieur. Je prends le message et je vais transmettre. Bon, alors, notez mon numéro, s'il vous plaît. Oui. Donc, c'est le 04 78 74 19 47. 19 47. Alors vous lui dites que j'aimerais bien parler de cette affaire gravissime, puisqu'il s'agit de quelqu'un entre la vie et la mort, hein, qui a subi visiblement des tortures de votre part. Donc, elle veut bien dialoguer, on essaie de trouver une solution, soit on emploiera tous les moyens qu'il faudra pour libérer éventuellement cette personne avant que vous l'assassiniez, ou en tout cas, croyez-moi, je maîtrise parfaitement Internet, et cette affaire sera connue par le monde entier. D'accord, monsieur, il n'y a pas de souci, je transmets le message. Merci. Attends. Au revoir. Au revoir. Moi, je voulais savoir si j'avais reçu mon courrier. Bon. Alors,